qui vient à la remise en jeu. Le capitaine d'équipe qui essaye de grappiller et de gagner à quelques secondes. Et également pour permettre à ses coéquipiers de souffler. Je vous l'avais dit, et les consultants qui sont avec vous, Dinamer, le confirmeront que le MC Oran est parti un petit peu de l'avant cette seconde période. Et pour l'instant, rien du tout. Attention à ce centre. Et encore une sortie de balle en faveur de la GS Saoura. Corner. Sur la 38e minute de jeu dans cette partie. On est fatigué, on boit beaucoup, on souffle du côté, que ce soit de la GS Saoura ou du MC Oran. Allez, le ballon pour Terbah. Le centre frappe de Terbah dans les bras de Dahman. Sans danger. Dahman qui relance. Sur le côté droit avec Belhabès. Belhabès Saïdi. Saïdi Dagoulou. Dagoulou Saïdi. Saïdi Dagoulou. Dagoulou qui percute. Et voilà, il perd la balle. Dagoulou s'est récupéré. Belginelli. Belginelli qui dribble. Belginelli qui trouve, qui laisse la balle à son coéquipier. La frappe donc de Bousmaha. Et le bon plongeant de Dahman. Belle frappe. Elle n'était pas puissante, mais elle était vicieuse, cette frappe. À la limite de la surface de réparation de Belkhir, plutôt de Bousmaha. Belkhir, Terbah. Ah, Terbah qui a voulu jouer avec Barbari, il s'est coupé, c'est récupéré par Aoued. Aoued qui remet sur Amran. Amran qui perd le ballon en faveur de la GS Saoura. Touche. Avec la remise en jeu de Nesser qui laisse pour Terbah. Terbah qui joue avec Nesser. Nesser pour Belginelli. Belginelli avec Barbari. Barbari qui joue avec Aoudou. Aoudou qui écarte et qui décale sur numéro 15. Donc Belkhir, la frappe de Belkhir. Et encore Dahman. Ah, Dahman qui nous sort une superbe seconde période. Dahman qui vient encore une fois de sauver son équipe d'un troisième but. Barbari, Belginelli, Barbari. Barbari qui va jouer avec Belkhir. Belkhir, Barbari. Barbari, Belginelli. Belginelli avec